tu penses que c'est parce que je parle en langue? Tu penses que c'est parce que j'ai dit ribaba koko riaba? Un homme qui dit ribebebebebe, il n'a pas la foi. Jamais. Un homme qui dit soubragashi ashukabahasha, il n'a pas la foi. Alléluia. Alors, appelez-moi Gédéon. Il y a besoin de lui. Mm-hmm. Ce petit-là, je l'aime bien. Je suis votre père. Qui se vadrouille parce qu'il y a quelqu'un là-bas, peut-être qui te protège. Sinon, logiquement, toi, après le crime que tu as commis, ou bien le soupçon de crime de ta femme dont les gens t'accusent là, on devait te convoquer pour t'attendre devant les tribunaux. Makosso a perdu sa femme, c'est lui qui l'a tué. Je suis là. Je demande déjà à tous ceux qui sont des chrétiens de quitter mon direct. Quittez. Et il y a d'autres qui mettent leur front par terre pensant que Dieu c'est tout dans tout seul. On dit viens au débat, on s'assoit et puis on parle. Faut pas parler, ça dit tu parles en parabole alors que c'est de nous tu parles. Nous. Celui qui dit que Jésus est Dieu, il va jamais accepter de faire le débat avec vous. Je préfère être un véritable musulman, craintif de la parole d'Allah. Je préfère baser ma foi sur le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed. Que de croire, de suivre un Dieu qui n'a pas la capacité de pouvoir créer même une mouche. Car elle donne la bonne compréhension. Et il y a d'autres qui mettent leur front par terre pensant que Dieu c'est tout dans tout seul. Mmh. Quels sont ces rituels là? Hein? Vous avez mort de partout ou quoi? Alléluia. Matthieu, chapitre 26. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père !» Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père !» Aujourd'hui, j'étais au café avec les frères. Je disais comme ça, si Gédéon de la Tchétouva disent OK seulement pour le débat là, c'est la communauté musulmane même qui va organiser. Au complexe des Époux, guichet fermé. À mes podiums là, même si on dit c'est payant, placer l'international, mais c'est gratuit. On dit viens au débat, on s'assoit et puis on parle. Faut pas parler, ça dit tu parles en parabole alors que c'est de nous tu parles. Ceux que vous voyez, que vous appelez sœurs, ceux que vous appelez sœurs, que vous classez dans la loge, dans le camp des purs, des saintes là, en réalité elles sont dangereuses même que celles qui mettent fou là. Tu comprends non? Celles qu'on recolle au quartier pour prostituer, elle au moins elle est honnête. Elle est sincère. Dieu a plus pitié d'elle que celle qui dit qu'elle est pieuse, elle est sainte, elle est parfaite. Mais, chaque 3 mois on la sainte. Oh. Et puis elle s'en va faire curotage. Vous amusez, hein? Et elle se cache. Quand elle doit coucher, on l'envoie d'un autre pays, la soeur a voyagé. Elle a permis, c'est quelle permutation? Tu es allé accoucher, une femme qui n'a même pas encore fait enfant, on dit elle est vierge. C'est une soeur, elle a fait vœu de chasteté. On voit que tous ses seins sont fatigués, que pour nos mamans même. Qui a pressé ça? C'est mon père, le mon Seigneur. Ah. La franc-maçon et la gloire. Et quand vous prononcez le nom de votre leader là, que la paix de Dieu soit sur eux, ça veut dire que lui de son vivant n'a jamais obtenu la paix. Vous plaidez à la faveur, mais Jésus-Christ est la paix elle-même. Matthieu, chapitre 10. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jean, chapitre 20. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Appelez-moi Gédéon. Il y a besoin de lui. Mm-hmm. Ce petit-là, je l'aime bien. Je suis votre père. Voilà, il paraît que ton papa est pasteur, je suis son patron. Donc calmez-vous les petits. Et moi j'ai vu un bâtard chalaka, un serela, un cafard, se tenir devant son portable. Pour dire, je dis, si tu es garçon, il faut attaquer les assemblées de Dieu. Oui. Mais est-ce que moi, il y a le temps d'attaquer une communauté? Je dénonce tout ce qui est prêché par les fausses églises. Ouais. Et je dis que l'église assemblée de Dieu, c'est celle qui prêche la parole de Dieu. Oh, vous, vos assemblées de Dieu, ne prêchez pas la parole de Dieu. Et on me menace de prison, je viens à toi. Comme tu penses que la Côte d'Ivoire, là, c'est la plantation de ton père, de ta mère. Ouais. Et que le chef d'État, avec les institutions qui l'incarnent, ce sont vos manœuvres que vous pouvez exploiter.
les utiliser contre qui vous voulez, comme vous voulez. Je viens à toi tout à l'heure. Toi, un assassin, un prisonnier suicide, qui se vadrouille parce qu'il y a quelqu'un là-bas peut-être qui te protège. Sinon, logiquement, toi, après le crime que tu as commis, ou bien le soupçon de crime de ta femme dont les gens t'accusent là, on devait te convoquer pour t'entendre devant les tribunaux. Et que tes enfants qui ont publié l'audio et les circonstances de la mort de ta femme, une femme qui vient d'être opérée, qui n'a pas fait deux jours, trois jours, tu la prends pour la faire danser parce que ton problème c'est l'argent, l'utiliser, puisque tu l'as utilisé pour ton rituel. Elle est morte, on n'a même pas encore fini de la télé déjà. Tu es en train de te pavaner partout. Parce que tu veux voir sur le fétiche que tu as fait la prix. Tu veux voir sur le sacrifice que tu as fait la prix. Même quand. Je viens à toi d'abord. Je finis avec ce point. Alors, vas-y ton nom. Matthieu 15, verset 24. Vas-y, frère. Nous, les musulmans, on a le caractère sauvage. La Bible dit que nous sommes comme des âmes sauvages. On dit, bon, ok, chacun va connaître sa nature dans la Bible. D'accord. Si nous, on est comme des âmes sauvages, on a compris. Mais vous, la Bible dit que vous êtes comment? Comment vous appelez dans la Bible? Tonton Magédéon. Moi, je devais sortir ça, tu vas entendre. Allons-y. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 21, écoute ta nature dans la Bible. Jésus étant parti de là. On dit Jésus étant parti de là. Et là, c'est Jésus même qui a te donné ta propre nature. Oh, Dieu merci que ce n'est pas moi. Sinon, tu allais dire qu'il était insulté. Ce n'est pas moi. C'est Jésus lui-même. Le grand Dieu des cieux que tu adores. Il va donner ta nature. Continue. Jésus étant parti de là. Jésus étant parti de là. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici. Une femme cananéenne. Qui venait de ces contrées. Lui cria. Aie pitié de moi. Seigneur, fils de David. C'est-à-dire, c'est une femme qui n'est pas juive. Elle est cananéenne. Elle est venue, elle a vu Jésus. Elle dit, hey, Seigneur, va m'appuyer de moi. C'est chaud. Continue. Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a un démon qui fatigue ma fille. Là. Pardon. Faut se lancer. Faut faire quelque chose. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. La Bible dit que Jésus ne l'a pas répondu. Il a boué. Il dit là. Il a boué ça. La femme l'a crié. Il descend. Il fait pas. Un sauveur de l'humanité. La femme crie, il répond pas. Mais on continue la lecture, c'est trop chic. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. Vas-y. Et ses disciples s'approchèrent. Mais comme la femme a commencé à bailler, elle insiste. Les disciples maintenant s'approchent de Jésus pour lui dire quoi? Mais père, faut chercher, elle parle là. Vas-y. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Oui. Avec insistance. Renvoie-la. Faut la chasser. Car elle crie derrière nous. Elle crie derrière nous, la femme, elle nous fatigue. Elle est là, nous met tout à côté d'elle. On nous regarde pas. Tout le monde est en train de nous regarder. Faut la chasser. Allons-y là, mon frère. Il répondit. Jésus répondit maintenant à la dame. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Moi, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Là-bas, il dit, j'ai compris. Mais moi, il dit, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Pardon, faut sciencer. Continue la lecture. Mais elle veut se prosterner devant lui. Elle est venue se prosterner maintenant devant Jésus. Elle dit, faut sciencer. C'est qui est venu pour les enfants d'Israël? Mais elle est là-bas, ma fille, elle est, c'est chaud. Les démons sont en train de la fatiguer là-bas. Continue la lecture. Elle veut se prosterner devant lui disant. Seigneur, secours-moi. Il répondit. Maintenant, Jésus va écouter maintenant la réponse de Jésus. Non. Parce que dans la réponse de Jésus se trouve le caractère, la nature, la biographie, l'identité exacte de tout chrétien dans ce verset. Écoutez bien la nature. De ceux qui disent que nous sommes actes sauvages. Wallahi, qui me préfère être acte sauvage. Wallahi, bilahi. Ninissa. Écoutez maintenant la nature. Écoutez la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Stop. Et aussi. Tambour, préparez-vous pour le scanner. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
Chien. C'est pas vrai. Chien. Et... Maintenant, posez la question à Della Tchétchouva. Dans ce passage-là, cette petite partie-là, Nam. Qui sont les enfants? Qui sont les pères? Qu'est-ce que signifie le père? Et qui sont les chiens? Les petits chiens dans ce verset. Les petits chiens. Les chiens. Dans ce verset-là, c'est qui? Qui Jésus a appelé petit chien dans ce verset? C'est la question que nous on pose. Et puis on se passe les mains de Pilate. Faut pas aller dire non. Il a dit la nature de la femme. C'est pas la question. Il est capable de dire non. C'est la nature de la femme. Il est non, on parle pas de la nature. Il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Petit chien là-haut. Wow, wow, là, c'est qui? C'est qui? Pardonnez, venez au scanner. Moi, on se lave les mains. On attend la réponse. Oui. Et puis on va répliquer. Pour l'instant, on s'arrête là. Et je vous promets, j'ai même ma tête à couper. Il ne pourra pas répondre à la question. S'il répond de manière honnête et sincère, si l'église n'est pas vidée, c'est que eux-mêmes là, c'est les supporters maso même. C'est les maso même. Calme-toi la bonne compréhension. Amen. On va garder la première partie pour aujourd'hui. Et on attend. Comme il dit, il ne veut pas venir au débat. Il se cache pour répondre à la bonne vidéo. Et puis il va répondre. Nous, tout nous arrange. Tu réponds, on t'en. Pour l'instant, on s'arrête là. Pour te dire que va bien vérifier la Bible, va bien lire. Voilà. Moi, je préfère être âme sauvage que d'être appelé petit chien. Dans moi, c'est un comédien, ils ont pris sa vidéo pour faire bonjour. Moi, je te mets bien deux. Ça prouve que tu es un vrai comédien, même. Les comédien. Gens te considèrent comme un comédien. Ouais, ils sont allés vers lui, les gens, et ça va. Quand les gens viennent sur toi, te suivre, c'est pas tu viens lire, en fait. Tu nous enlèves. C'est pas faux. C'est tout ton groupe de voyageurs, ils sont trop forts. Bien, oui. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui veulent les défendre, venez au scanner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais demander pour sa question.